tous et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée de vent et l'idée du jour, c'est Neverland. Alors, pour certains, ça va parler, le titre évident, mais pour d'autres, peut-être que ça ne parle pas, Neverland. Neverland, c'est l'histoire de cinq gamins orphelins qui vivent dans la rue, qui se débrouillent en fouillant dans les poches, enfin bon, comme ils peuvent. Et puis un jour, alors on est dans notre monde hein, au départ, parce que là, l'image peut... Voilà, on est dans notre monde, avec le métro, tout ça. Et puis, un gamin va se joindre à eux. Voilà, c'est lui, qui s'appelle Paco, parce que c'est écrit juste là et que j'arrive à lire à l'envers. Et pas parce que je m'en souviens. Et Paco, en fait, il s'avère qu'il ne vient pas de ce monde-là. Il vient de Neverland. Neverland, qui n'est autre que le pays de Peter Pan. Et il va emmener ces jeunes au pays de Peter Pan, qui... Voilà, on le voit, là, le bonheur d'Irlande, qui est en grande détresse, ce pays, puisque déjà Peter Pan n'est plus, et il y a une ressource magique qui est convoitée par les pirates. Et donc ces jeunes vont devenir à leur tour des enfants perdus, bien que tout le monde ne le souhaite pas, ils vont développer des pouvoirs, et je vous laisserai découvrir par vous-même s'ils arrivent à sauver Neverland ou pas. C'est un premier tome et bah maintenant j'attends la suite. Mais bon, comme il vient juste de sortir, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais rassurez-vous, il y a encore plein d'autres choses à lire. Donc, à très vite. Ciao!